monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis pas forcément trop contente. Je suis pas forcément trop excitée, je suis surtout intriguée. Aujourd'hui on va faire une technique que Meredith Duxbury, je crois que c'est ça son nom, si je me suis pas trompée, excusez-moi. On va faire ça, hein, clairement ce reel ou ce TikTok, enfin peu importe. Sa façon de se maquiller à cette femme là, j'ai envie de dire, qui est très full coverage, très glam, très très maquillée, tu vois, c'est, ça se voit et c'est assumé et voilà, c'est très joli sur elle. Et voilà, moi je suis une peau un petit peu fripée, tu vois, enfin, ça se voit pas comme ça, mais je plisse beaucoup, tu vois. Et j'ai envie de tester cette technique depuis longtemps, depuis que ça a explosé, depuis qu'elle est devenue assez populaire, etc. On est là pour ça aujourd'hui, il va falloir que je sacrifie un fond de teint. C'est ça qui me fend le cœur en fait. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine Alias, j'ai Beauty Fit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ok, on va se rapprocher et puis on va attaquer tout de suite, j'ai peur. En fait, j'ai peur parce que juste après, je tourne une autre vidéo avec plusieurs personnes, je sais pas si elle sera déjà en ligne d'ici là, donc je pense pas que vous pourrez la voir tout de suite, mais elle va arriver d'ici peu sur la chaîne de Valentin Under Explicit. Je vous mets sa chaîne ici, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez la vidéo qui va sortir bientôt, ça va être super intéressant. Mais voilà, je vais avoir ce make-up pendant cette vidéo, donc j'espère quand même que ça va bien rendre, tu vois. Et logiquement, je vais pas avoir le temps de me remaquiller aujourd'hui, j'ai des choses à faire aujourd'hui après, donc déjà je vais mettre ma base, tout simplement, et là je vais mettre une base hydratante, parce que on va mettre beaucoup de fond de teint, ça peut beaucoup filer dans les rides, plisser et tout, donc je me dis qu'il faut une base hydratante à mort, donc mettons une base hydratante à mort. Et pour ne pas me tromper, je vais mettre celle-ci, la NYX Plump Right Back. Je fais les étapes en même temps qu'elle, hein, d'accord, j'ai la vidéo sous les yeux. Elle met un petit bandeau comme ça, que je n'ai pas peur de salir, hein, il est déjà taché. Et on va être moche comme un cul, hein. Que faut vraiment protéger ses cheveux, parce que là, bon, hein, c'est compliqué sinon. Comme ça. Ne suis-je pas sexy comme ça? J'ai peur. Ok, hein, là vraiment c'est pas la présentation des produits qui importe, c'est vraiment plus la technique et ce que j'en pense. Donc je fais ça assez rapidement, j'en mets partout, hein. Faut que ça hydrate partout. Maintenant choisissons le fond de teint à sacrifier, hein, parce qu'il faut mettre 20 pompes. 20 pompes. Le IRL filter que j'aime beaucoup, parce qu'elle, elle utilise le faux filtre de chez Huda Beauty. Donc tu vois, il faut un fond de teint quand même qui est assez épais et assez courant, tu vois. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Mais j'ai pas envie de sacrifier 20 pompes, il fait que 22 ml celui-là. Je vais le mélanger, je pense, avec le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui est aussi très couvrant, voilà. Donc je pense que ça rentrera bien dans le terme, ok. J'ai pris une serviette pour protéger mes vêtements, parce que c'est très dangereux cette histoire. J'espère que je vais pas me renverser partout. Il faut retrousser ses manches. C'est un conseil que je vous donne, retroussez vos manches. 10 pompes de l'un, 10 pompes de l'autre sur ma main. Ensuite on prend le dos d'un pinceau, peu importe lequel, on s'en fout. On mélange et on se le met sur le visage. Toute la quantité, d'accord? Et puis après on étale au doigt. Bon, je vais faire ça. C'est parti. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà, celui-là, rien que 2 pompes, c'est trop pour mon visage. Vraiment. Attends, mais c'est pas fini. Airbrush Flawless. J'ai mal au cœur de sacrifier tout ça. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non! Donc on mélange. J'ai pas la main assez grande. J'ai pas la main assez grande. Et on récupère tout comme ça, on racle, on racle, on racle. Et on met sur son visage. C'est satisfaisant par contre ça. J'ai l'impression de te mettre de la peinture sur le visage. En l'occurrence du fond de teint parce que ça sent bon et que c'est du fond de teint. Hein. Ça coule un peu, mais ça va. C'est pas mal cette technique du pinceau pour racler tout, je trouve. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah là je pense que ça devrait couvrir mon bouton, hein. Franchement, en plus je vous le disais dans l'une de mes dernières vidéos que je voulais faire cette technique. Bah ça y est, c'est le moment. Je prends tout, je prends tout, je prends tout. Hop, j'en prends tout ce qu'il y a sur le pinceau, hein. En ne gaspillant pas de produit. Hein, les 20 pompes, je te dis qu'ils vont tout aller sur mon visage parce que hein, je les ai payés les fonds de teint. Et puis là, bah, on applique tout simplement. Puis on applique comme ça, tout simplement sur la bouche. Ah, c'est agréable là par contre. Hein. Une petite fin. Dégueulasse. Et on met vraiment partout, tu vois, sur les sourcils, sur les yeux. Bah écoute, j'ai l'impression de m'appliquer, je sais pas, genre beaucoup de crème hydratante. Ça me choque pas. Et voilà, comme ça. Ah bah c'est full coverage, c'est sûr. C'est très épais aussi. Ouais, je fais vraiment bien le truc. Ça a fait disparaître mes sourcils. Comment on fait pour le coup par contre? Non, moi je dirais pas que c'est désagréable non plus. Hein. J'en mets sur mes oreilles parce que sinon ça fait bizarre.
J'ai l'impression d'en avoir dans la bouche, non? Et je vais le descendre un peu dans le cou pour pas que ça fasse bizarre. Et après, de toute façon, on va estomper. Parce que là, je peux pas faire moins. Ça fait une démarcation au niveau de mon cou. Comment on fait pour les mains par contre? Faut se les laver entre deux peut-être? Je vais essuyer sur ma serviette. Non, je peux même pas, j'en ai trop. Il faut que je me lave les mains, j'arrive. J'avais pas pensé à cette option. Voilà. Et maintenant, bah, elle prend une éponge et puis elle estompe, hein, tout simplement. Elle estompe tout ça. Donc on estompe tout ça, partout. J'imagine que ça relève un peu l'excédent. En effet, mon éponge est remplie là. Je te le dis direct, mon éponge, elle est blindée. Après, honnêtement, ça fait pas un mauvais rendu sur le visage pour l'instant. C'est assez joli, hein. Faut bien estomper dans le cou parce que là... En fait, j'ai l'impression de me transformer en poupée, tu sais. Ça fait un peu ça. Mais par contre, t'imagines la dépense de fond de teint? Je suis sûre qu'avec la moitié de pompe, ça suffit 10 pompes, genre. Pas besoin d'en mettre tant. Bah écoute, oui, hein, jusque-là, c'est très couvrant. Et puis, les cheveux, là, les bordures des cheveux, ça, c'est... Comment tu fais? Tu t'en fous dans les cheveux, c'est dégueulasse. Mais regardez le rendu, c'est pas choquant, hein. Ça couvre vraiment tout. Là, ça floute tous les pores, ça comble tous les trous. Hein, c'est sûr que là... Bon, franchement, ça va. Je suis pas choquée. Je suis plutôt pas mal. Mais bon, je ferai pas ça tous les jours. Elle met de l'anticerne, parce que là, apparemment, il n'y a pas assez de couvrance sur le cerne. Donc, mettons de l'anticerne. Et elle en met beaucoup. Et du plus clair. C'est l'occasion d'essayer de finir mon shape tape. Qui est de ma rotation, hein. Si vous n'avez pas vu les produits de ma rotation, vous pouvez aller les voir. Et elle en met beaucoup. Ah bah, il n'est pas plus clair. Comme ça, je croyais qu'il était plus clair. Donc voilà, j'en mets beaucoup. Déjà, juste tout seul d'habitude, le shape tape, il est déjà trop sec pour mes yeux. Et j'en mets vraiment un tout petit point d'habitude. Mais là, elle en met un tout comme ça. Hop, et je crois qu'elle a fait ça pour éclaircir le reste de son teint. En l'occurrence, ça n'éclaircit pas, mais rajoutons un peu de couvrance. C'est pas assez couvrant, donc on rajoute de la couvrance. Je ne vois même pas où j'estompe, hein. Ça se floute tout seul, vu qu'avec toutes les matières, ça se fond, quoi. Ça se fond bien. Ça s'estompe en 2 secondes, hein. Ça, on peut le dire. Il n'y a pas de souci. Franchement, et tentez l'expérience. C'est vraiment agréable, je trouve. C'est trop cool. La meuf est en train de s'éclater, tu sais. J'adore. Ensuite, bronzer crème. Donc elle met un truc à point. Mais moi j'ai pas envie de mettre des trucs à point. Je vais utiliser mon tentour de chez Huda Beauty en teint de fer. Parce qu'elle utilise une teinte quand même assez froide. Et puis elle en met pas mal. Voilà, parce que vu qu'il y a beaucoup de matière, ça se fond très bien. Et vraiment, elle en met beaucoup. Donc on va en mettre beaucoup. Comme ça partout. Bon déjà, moi j'en mets déjà beaucoup d'habitude. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, elle en met comme ça. Comme ça. Écoutez, on va estomper, hein. Et après, l'éponge, hein. Donc on prend l'éponge. Bon, après, moi, jusque-là, je mets toujours autant de bronzer, donc vraiment, ça me choque pas. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'il y a du fond de teint, beaucoup de fond de teint, ça se fond très bien. Tu vois la fondue, comment c'est bien flouté et tout. Et là, je te dis que mon bouton, il est couvert, hein. D'habitude, on le voit toujours un petit peu. Là, c'est couvert, hein. Écoute. Voilà, très joli. Blush crème, elle en met aussi. Je vais mettre un petit blush de chez Valef. Je vais en prendre aussi beaucoup avec un pinceau. Je chauffe bien la matière parce qu'ils sont assez compacts. Voilà, et puis je vais en mettre pas mal. Bon, ça aussi c'est pareil, un blush, j'en mets toujours beaucoup. Et elle en met aussi un petit peu, ici. Ça, je le fais jamais, ça. Et puis, bah, elle estompe, hein, tout pareil. Donc, on estompe, tout pareil. Là, pour le coup, c'est beaucoup trop estompé, on voit pas assez le blush. Tout se floute trop, par contre, là. Moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, je veux que ça se voit. Vous en faites pas, alors remets après le blush. Et franchement, pour la quantité de fond de teint qu'on a mis, regardez, ça commence un tout petit peu à filer, mais c'est tout. C'est pas plus que ça. Donc ça va. Par contre, l'éponge, je pense qu'elle est morte. Hein. Clairement, je sais pas si je vais réussir à la récupérer. Hein. Passons à la poudre. Je vais prendre la poudre habituelle qui est dans ma rotation. Là, IRL Filter. Hein. Donc je vais poudrer. Poudrons tout le teint. Donc je vais prendre d'abord la poudre compacte. L'anti-cerne déjà. J'en mets beaucoup. Parce qu'il faut bien fixer là. Là, il y a de la matière. Alors, faut bien fixer. Et maintenant que j'ai fait avec la poudre compacte le dessous de mes yeux et enfin, toute ma zone T, je vais prendre la poudre libre et puis toujours à la houppette, bah, je vais poudrer le reste. Allez, on fixe tout ça. Comme ça, ça va bien tenir. Ça va être bien flawless. Je sais pas pourquoi je le sens bien, c'est bizarre, hein. Après, à voir dans la journée comment ça tient, franchement, bah je vous dirai, hein, vu que je vais garder la journée. Je vous ferai un petit retour. Et puis bah du coup, faut fixer le cou, hein, aussi, parce que du coup, j'en ai mis partout dans le cou. Pareil, les kilos de poudre. Alors par contre, je sens que j'ai quelque chose sur le visage et qui a été fixé, tu vois. Un petit tiraillement un peu. Et là, c'est horrible. À partir du moment où t'as poudré, c'est vraiment dégueulasse. Attendez, je vais voir, je vais essayer d'enlever l'excédent. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faut enlever l'excédent, mais... Oh my god. Non, ça y est, c'est horrible. Ah, je suis déçue, c'était bien parti.
C'est mieux quand j'enlève l'excédent quand même. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Tu vois tout ça là? Je sais pas si tu vois tous les plis que ça me fait. Alors ça, c'est quelque chose que ça peut me faire de temps en temps quand le fond de teint est quand même assez couvrant et tout. Contour des yeux vraiment trop vieilli, tu vois. À la limite, il faudrait faire ça sur le teint, mais mettre un contour, juste de l'anticerne sur le contour des yeux. Même les paupières, elles sont vraiment toutes plissées. C'est vraiment pas joli. Le reste, pour l'instant, ça va. C'est juste un peu plissé là. Bon bref, j'arrête de faire des grimaces et je continue, d'accord? Donc maintenant, passons au bronzer, blush, highlighter. Bronzer, elle en met aussi. Je vais prendre mon bronzer de ma rotation, le Catrice Sunlover Glow, qui est un bronzer lumineux. Et elle repasse sur le bronzer. Pas de, y a pas de truc particulier, tu remets le bronzer. Et moi personnellement, là, j'avais besoin de bronzer. Rebesoin, ça se dit pas, mais vous avez compris. Après, de loin, franchement, j'aime bien, ça fait vraiment teint parfait. Juste avoir le contour des yeux, franchement je vais retenter. Elle met du blush par dessus, remet du blush. Je mets le Sweetheart de Colourpop, qui est un rose comme ça, Barbie. Ça va très bien avec le thème un peu, tu vois. Faut que j'insiste hein, parce que il est quand même assez clair. Alors là, ça commence à se voir. Écoute, voilà. Très beau, ça se fond bien aussi du coup. Tout se fond bien, là il n'y a pas de problème. Et en highlighter, elle en met un très paf, tu vois, qui envoie du pâté. Moi j'adore les highlighters qui envoient du pâté, donc on en met un qui envoie du pâté. Parce que on va prendre un Glam Light X Scooby-Doo que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos, si c'est pas la dernière. Parce qu'ils envoient vraiment du pâté de ouf quoi. Je sais pas lequel je mets, est-ce que je mets le vert avec mon look ou est-ce que je mets le rose? Le rose, celui-là. Je crois qu'il envoie moins du pâté, mais il envoie du pâté quand même. Donc elle en met beaucoup. De toute façon, moi j'adore en mettre beaucoup. Paf. Est-ce qu'il est trop discret? Je crois qu'il est trop discret par rapport à ce qu'il a mis. Je vais mettre aussi celui d'en dessous. Les deux. Parce que celui d'en dessous... Voilà, c'est plus ça du qui se voit de l'espace. Voilà, c'est bien. Et elle en met aussi sur le nez. Comme ça. Et le long de son arête de nez. Donc je fais pareil avec les deux. Le nez et l'arête du nez. C'est tout. Elle met que ici le nez, l'arête du nez. Et les joues, c'est déjà bien. Ensuite, elle prend une petite lingette démaquillante et elle enlève les lèvres. Est-ce que ça va bien couvrir les lèvres? Ah, ça tient bien sur les lèvres aussi. J'ai du mal à enlever. Ouais, mais la tenue, ça tient trop bien. Je comprends maintenant pourquoi se maquille comme ça, tu vois. Ça tient de ouf. Ensuite, elle brosse ses sourcils avec un goupillon pour brosser ses sourcils et enlever toute la merde qu'il y a dedans. Excuse-moi, je suis vulgaire. Par contre, non, le contour des yeux, ça va pas du tout. Les paupières et tout, c'est une catastrophe. Hein, clairement. Bon, ce que je vais faire, c'est que pour le reste, je vais terminer toute seule. C'était plus le teint que je voulais tester. Donc je vais faire mes sourcils, je vais mettre une ombre à paupières mono sur toute la paupière parce que c'est souvent ce qu'elle fait. Mascara, elle met des faux sucres, je vais pas en mettre, hein. Franchement, j'ai la flemme. Contour des lèvres, lèvres nude, préfixateur, et on se retrouve tout de suite pour le résultat final en mode belle gosse, tu vois, comme ça, tu vois. À tout de suite. Ta-da. Là, comme ça, y a pas de problème, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu y ressembles un peu? Alors, j'ai quelques petites choses à dire, notamment, comme je l'ai déjà dit, le contour des yeux, ça va pas du tout. Je vous montre, hein, je vous rapproche pour vous montrer. Hein. Clairement, le contour des yeux, c'est pas joli joli. Hein. C'est beaucoup trop ridé à mon goût, beaucoup trop. Les fards à paupières sur la poudre comme ça, bien pressé et tout, ça ne tient pas. Hein. J'ai vraiment dû mettre un lumineux au doigt pour que ça se voit. Donc ça, non, je referai pas non plus. Les sourcils, j'ai vraiment galéré parce qu'il y avait beaucoup de fond de teint dedans. Donc du coup, ça fait un peu... Ça va encore, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Par contre, des points positifs, c'est que clairement, je sens que ça tient bien, tu vois. D'ailleurs, petit point négatif, ça me tiraille quand même un petit peu cette partie-là. Mais je sens que ça tient bien. C'est vraiment haute couvrance. Ça, j'adore. La lèvre, le contour des lèvres est bien net parce que c'est vraiment une base très... plâtreuse genre, mais j'aime bien quoi. Et bon, il y a des points positifs, des points négatifs, et puis les cheveux aussi hein. Là les cheveux vraiment, ça j'ai pas réussi à enlever, faut vraiment que j'aille à la lingette démaquillante. Franchement, je vais garder quelques petites choses de cette technique que j'utiliserai de temps en temps quand je veux un full coverage. Vraiment, c'est vraiment sympa. Bon, juste pour vous montrer le résultat, là ça fait 5 heures que je porte le maquillage, un petit peu plus de 5 heures parce que on a tourné une vidéo de 5 heures qui arrivera bientôt. Je voulais vous montrer le résultat final. Bah déjà j'ai les yeux qui ont pas arrêté de pleurer, ça c'est une chose, mais du coup c'était pas du tout discret. Fait un gros... c'est vraiment très horrible. Et puis, non là clairement, ma peau a besoin de boire et là elle ne peut rien boire, c'est vraiment d'une horreur, je cours me démaquiller. Alors certes ça n'a pas bougé, hein. Ça me tiraille toujours autant. Là c'est tout mon visage qui a pris 10 ans dans la tronche, c'est vraiment pas
possible du tout. C'est marqué, ça se voit. Finalement, quand tu t'approches de près, c'est vraiment très très moche, très épais, très plâtreux. Et là, clairement, je cours me démaquiller parce que ça manque de confort, ça manque de finesse. C'est trop... moche. Voilà. Et honnêtement, je ne réutiliserai pas cette technique. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce look. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à faire cette vidéo en votre compagnie. C'est intéressant de tester de nouvelles techniques pour en apprendre un petit peu plus. Puis pour comprendre aussi pourquoi les gens peuvent utiliser ces techniques. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.